Salut, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est vraiment très très attendue. C'est les résultats de mon concours FIMO. Tout d'abord, je tenais à vous remercier car vous avez été exactement, donc je vais vous dire le nombre exact. Vous avez été 70 à participer, mais seulement 25 ont fait leur vidéo. Donc j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y en a qui pouvaient pas, tout ça, et... bref, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, quand même 25 vidéos pour un premier concours. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier. Vos créas étaient super belles. Tout le monde a eu des bonnes notes, franchement. Il y en a qui m'ont dit... Enfin, il y en a qui ont changé de nom, donc ça a été assez compliqué, mais je m'y suis finalement retrouvée. Voilà. Il y en a qui n'ont pas fait leur vidéo, bien sûr, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas au final ou qu'ils avaient oublié peut-être. Pourtant, j'ai relancé tout le monde la veille du concours, j'ai envoyé des commentaires, mais bon, il y en a qui ne pouvaient pas. Bref, donc je vais vous montrer maintenant les lots que j'ai rajoutés dans les deux, lots. Donc, il y a trois gagnantes en fait dans ce concours. Il y a une gagnante tirée au sort qui gagne 10 j'aime, 10 commentaires, un abonnement et une pub. Et il y a donc la gagnante a déjà été tirée au sort hein, et il y a donc deux gagnantes, une débutante et une confirmée. Donc pour la gagnante débutante, donc dans votre lettre, donc ce sera envoyé dans une lettre bulle, donc il y a des bulles à l'intérieur, voilà, donc il y a un petit mot à l'intérieur, des cadeaux et le lot, enfin les lots. Donc j'ai mis tout ça dans un sachet zip, donc on a bien les bâtons de sucette. Je vous fais un mini récapitulatif des lots pour la deuxième. Donc la poudre à FAQ qui est facultative, excusez-moi. Hop, voilà. Donc la poudre à FAQ qui est facultative. Enfin, c'est comme elle veut, si elle la veut. Donc voilà. Après on va avoir... donc le sachet que j'ai rajouté, que je vous montrerai après. Les copeaux de chocolat. Voilà, comme ceci. Après, on a les microbilles. Donc j'ai mis un sachet bien bombé, puisque dans la vidéo, il était un peu moins bombé. Et là, il est bien rempli. Il est rempli à bloc. Voilà. Après, un gros sachet où il y a des apprêts et autres. Donc il y a... donc le petit moule, un strap, une demi-canne pastèque, des pains magiques, un gros lot, une pince, des breloques et divers petits apprêts. Voilà. Après, les rubans et un nœud. Donc le nœud est blanc avec des petites traits noires sur le côté. Et les rubans bleu clair à pois blanc et vanille avec des petits traits gris. Et elle gagne enfin 10 bâtons de sucette. Tout ça emballé dans un sachet plastique et les autres lots dans un pochon en organza. Donc je remets tout dans le pochon et je vous décris les lots que j'ai rajoutés. Donc les lots que j'ai rajoutés sont assez petits, mais j'ai préféré rajouter des petits lots et que vous ayez des gros lots surprises plutôt que de rajouter des gros lots et des petits lots surprises. Voilà. Après c'est mon choix... ça revient un peu au même de toute façon. Donc c'est dans un petit sachet comme ceci. Donc on a des tiges à œil. Donc deux tiges à œil, deux pitons. Attendez, j'attends que ça fasse la macro. Comme ça je pourrais bien vous décrire ensuite. Donc deux tiges à œil, deux pitons, deux petits anneaux et une breloque étoile. Voilà. Après, pour les lots de la première, je remettrai tout ça après. Donc les lots de la première, donc pareil, enveloppé, emballé plutôt, dans une enveloppe bulle. Voilà. Dans une enveloppe bulle, donc il est légèrement plus bombé, même beaucoup plus bombé. Donc il y a toujours un petit mot. Les bâtons de sucette, il y en a 15.
les emballer séparément cette fois-ci. Donc les lots comme ceci. Et le paquet de faux sucre rouge. Et les petits lots cadeaux qui sont au fond. Donc voilà. Paquet de faux sucre rouge, j'en ai rajouté un petit peu. Donc je pense qu'il doit y en avoir 90 grammes. Un truc comme ça. Bref. Donc on met tout ça. Donc les lots ici. Je vais vous les décrire une petite fois. Je vais vous les redécrire. Du ruban organza bleu, du ruban violet à pois blanc et du ruban organza noir. Un sachet de microbilles rouge, donc fondé, bien rempli. Hein. Après, les lots que j'ai rajoutés que je vous montrerai après. Donc, deux nœuds, un noir avec le contour blanc et un rose avec, enfin, rose framboise avec le contour marron. Un sachet d'après, donc on a un miroir, plusieurs grelots, des perles magiques, les trois quarts d'une canne pomme, des petites pinces, diverses après, un support de bague, et voilà. Après, les lots, donc voici les lots, et les lots que j'ai rajoutés sont ici. Donc, il y a un petit peu la même chose que la deuxième en plus grande quantité. Alors, il y a 5 pitons, je crois, 3 tiges à œil, 5 anneaux et une breloque Peace and Love. Voilà. Je crois qu'il y a 5 pitons et 5 anneaux, je ne suis pas sûre. Attendez. Oui, je crois que c'est ça, hein, mais voilà. Donc pareil, elle aura des cadeaux surprises, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit au début, j'ai eu beaucoup de participantes. Et je sais plus si je l'ai dit, mais vos créations étaient super belles. À toutes, même il y a eu des débutantes qui auraient pu se présenter en confirmé, je pense. Car leur création était vraiment magnifique. Donc je vais dire la gagnante du concours, enfin, du concours, on va dire, mini-concours tirage au sort. Donc le tirage au sort a été fait à partir du site random.org. En fait, chaque participante avait son numéro. Et donc, je leur ai attribué à tous un numéro. Et c'est Carla Kiss qui remporte. Donc voilà, bravo à toi. Donc tu gagnes un abonnement, 10 j'aime, 10 commentaires et une pub. En vidéo, bien sûr. Voilà. Après, on va passer à la gagnante débutante. Donc là, ça a été très dur de départager. J'ai eu vraiment des belles créations. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour une personne, enfin plutôt deux personnes, car vous êtes deux, je crois. Enfin, vous avez fait la vidéo à deux en tout cas. Donc, c'est Miss Fimo 691. Vous remportez ce lot, donc le lot ici même, avec une très bonne moyenne de 17,5 sur 20. J'ai vraiment beaucoup aimé vos créations. Pour des débutantes, c'était franchement pas mal du tout. Voilà. Bravo à vous. Pour la gagnante confirmée, j'ai beaucoup hésité entre des personnes. Donc si vous voulez savoir les personnes, vous me demanderez un message privé et je vous les dirai. Mais vraiment, les confirmer, vos créations étaient toutes vraiment très belles. Après, j'ai eu des coups de cœur sur l'originalité surtout. Et donc, c'est vraiment super dur car vous avez eu une moyenne, donc toutes les trois, de 18 sur 20. Donc, j'ai hésité entre trois personnes. Je vais pas dire les noms parce que je pense qu'après, il y en a qui vont être déçus peut-être. Donc, voilà. Une moyenne donc très élevée. Et donc, Shikuma qui remporte ce lot, bravo à toi. Tes créations étaient vraiment superbes, super originales. Et en fait,
Pour ces trois personnes, j'ai demandé l'aide d'une proche pour m'aider car c'était vraiment super dur et finalement on a eu toutes les deux le coup de cœur sur Shikuma. Bravo à toi. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ton gâteau Nyan Cat et sur ta petite Chibi Bou. Voilà. Bravo à toi et tu remportes le lot. Sinon, je tiens vraiment à dire que tous les lots venaient de ma poche, je n'avais pas de partenaire et donc ce serait sympa de ne pas vous désabonner même si vous avez perdu. Je sais que moi aussi j'ai perdu à des concours, pas mal de concours. Et c'est vrai que c'était, à chaque fois on est un petit peu déçus quoi. Mais moi personnellement je me désabonne jamais parce que ça se ferait pas envers la personne qui organise le concours. Et donc je suis vraiment désolée pour celles qui n'ont pas gagné, mais je vais refaire un concours aux 300 abonnés. Je les ai déjà. D'ailleurs merci aux 311 abonnés. C'est vraiment super sympa, vous êtes énormes. Je pensais pas arriver jusqu'à là. Et j'espère que ça va encore augmenter, voilà. Donc un concours, donc j'ai un peu cherché des partenaires, je vais pas vous les dire parce que c'est un petit peu. Il y en a qui m'ont dit peut-être, il y en a qui vont voir. Bref. Je vais pas vous les dire. Je vais essayer de voir si je peux le faire pendant le mois d'août, si j'y arrive à voir si tout se passe bien. Donc il y aura des partenaires, mais il y aura aussi des lots qui viennent de ma poche, donc bien sûr. Voilà. Je vais essayer de le faire au mois d'août, sinon ce sera à la rentrée parce que peut-être qu'il y a des boutiques, enfin il y a des boutiques qui sont en vacances. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si il y en a beaucoup qui ont été déçus. Vos créations étaient toutes vraiment super belles, je peux pas toutes vous citer, sinon la vidéo va être trop longue. Ou alors je mettrai un diaporama, enfin je mettrai un défilage à la fin où je mettrai tous vos noms. Et voilà, donc merci beaucoup. Juste petite précision, il faut que Miss Fimo 691 me dise si elle veut la poudre à FQI. Si elle me dit rien, je lui mets et puis voilà. Et laisse-moi un commentaire quand même pour me dire si tu la veux ou pas. Voilà, bravo aux gagnantes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.